Eh bien salut les amis, c'est Carmado et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Go Vacation. Et je viens de remarquer un truc, c'est que en fait, eh bien en se connectant chaque jour, on débloque des nouveaux objets. Je le savais pas, je viens de le découvrir. Donc on va aller les chercher ces objets, parce que bon, j'aime pas du tout quand même ma tenue, hein. Ah c'est vrai qu'on peut aller à la station urbaine maintenant. Mais attendez, mais c'est quelle épreuve qu'on doit faire? Je sais plus, elle va nous parler là normalement, la fille, elle va nous dire ce qu'on doit faire. Dans tous les cas les amis, merci pour vos retours sur ces premiers épisodes. C'est le 4e épisode, j'adore ce jeu, même s'il est pas très beau, hein, faut quand même le dire. Il est quand même fun, donc laissez plein de pouces bleus si vous aussi ça vous plaît. Et c'est les vacances, hein, 2018, hein, on est reparti, baie du bonheur, Kawaii Marine Resort. Alors qu'est-ce qu'elle me dit? Bienvenue à la station balnéaire, blablabla. C'est figure en quad. Pourquoi à chaque fois je veux dire squad? Kirby Squeak Squad, c'est ça que je veux dire. Mais non, c'est en quad, pas en squad, ça ne veut rien dire. Ben si, ça voudrait dire quelque chose en squad, mais ça veut dire en team, quoi. Ah, voilà, c'est à cause de Fortnite. Ah, il y avait un coffre, mais j'ai pas eu le temps de voir. C'est passé beaucoup trop vite. Alors, c'est vrai qu'on a eu la tenue de cosmonaute. C'est quand même bizarre. Mais attendez, mais on a eu d'autres tenues. Ah, mais peut-être qu'on peut pas les utiliser à la plage. Ah, on peut peut-être pas utiliser nos autres tenues à la plage. Ah, c'est peut-être ça, en fait. Parce qu'attendez. Gants. Ah ouais! Ce qui serait pas si logique en fait. Parce que à la plage, ils veulent qu'on ait des tenues de plage, quoi. Mais attendez, mais non, c'est bizarre, parce que sinon, pourquoi nous les avoir dit? Enfin, il y a marqué vêtements. Je comprends pas, il y a marqué nouveau, mais ils sont où? Ah oui, bah oui, bah, nouveau, c'est ça, mais j'en veux pas de ça. Bon, bah c'est bizarre. Confirmer et quitter, ok, je sais pas où sont passées nos nouvelles tenues. Elles ont disparu. Bon, dans tous les cas, on va partir à l'épreuve de figure en quad. On va voir ce que c'est. Je sais pas si ça va être de la gyroscopie ou si ça va être juste les boutons. C'était un peu bizarre en surf, les figures. Donc je sais pas si là on va y arriver correctement. What? Oui, en quad, si tu veux. Alors, c'est par où? C'est juste à côté. Donc on y va comme ça. Et what? Je suis passé au travers du truc. D'accord, très logique. Non, c'est par là-bas. Attendez, c'est toujours censé être sur la plage. Ah, c'est là, non? C'est juste devant. Non, ça c'était les courses. Ça c'était les courses de quad, je m'en souviens. Donc c'est plus loin. Ah d'ailleurs, il y a l'un des trésors. Je sais comment on l'a en fait. Mais on va pas essayer maintenant. Je vais plutôt faire les activités. Avant de quitter la zone, on ira voir. Bah, c'est où? Ah, c'est là. Ok. Bonjour, monsieur. Alors, madame, plutôt, désolé. C'est une activité de figure en squad. En quad. Je ne connais rien de plus cool. Allez, faites un essai. Ok, ouais, si tu veux. Alors, figure, il faut bouger la manette. Ah non, je comprends en fait. Ok, je comprends. Ça dit dans quel sens tu tiens ta manette en fait. Et moi, je la tiens comme ça, ma manette. Parce que en surf, j'avais commencé à prendre ma manette comme ça. Mais non, 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 moi, je joue comme ça. En fait, parce qu'ils affichent les manières de jouer avec toutes les manettes possibles. Sauf que moi, non, je veux savoir que ma manière. Alors, faudrait faire 50 points. Allez. Et... Attendez, mais on fait toujours la même... Ben, on a fait la même figure. On a fait la même figure en boucle. Pourquoi pas? Ça a marché dans tous les cas. On a gagné, on a 52 points. Ok. Bon, bah tant mieux. Alors, on gagne normalement une nouvelle icône. Oui, quitter. Il y a des épreuves qui sont quand même un peu moins intéressantes que d'autres. Mais bon, mais comment on fait? Louer des véhicules tels que les 4x4? Et comment on fait? Non, lorsque vous pilotez des véhicules tels que les 4x4, ils sont où les 4x4? Ah, c'est peut-être dans d'autres zones, peut-être qu'ici il n'y a que ça, ça doit être dans la montagne alors. Il nous reste donc le jet ski. Ah, on a accès à l'autre resort. Et maintenant, tu veux qu'on aille l'activité figure en scooter des mers. Ok, en quad. Est-ce que je peux me téléporter ailleurs? Donc, c'est... Ah, c'est loin. Non, je vais pas me téléporter parce que je vais essayer d'abord d'avoir le trésor qui est par là-bas. En fait, faut monter. Il était où le trésor? Il est pas là-bas le trésor, attendez. Je sais plus comment on fait. Non, c'est pas là.
attendez. Faut réussir à sauter ici. Comment on faisait? Ah non, c'est là, c'est cette île-là. Alors, wow. Ok, il y a un gros trou. C'est d'ici, non? Attendez, mais par contre... Elle est où? Elle est par là? D'accord, alors. Ça va être un petit peu chaud. Il va falloir sauter au bon moment. Allez, les amis, sautez-moi bonne chance. On y va! Ah bah ok. C'est pas très difficile, en fait. Wow, bah c'est pas très difficile. On a été quand même super serré, hein. On a failli tomber. Oui, on ouvre le coffre et on a... Costume journée à la plage. Waouh. Oui, c'est bon, j'ai déjà ouvert le trésor. Donc maintenant, on se TP, eh bien ici, non, en scooter des mers, et on va aller faire nos figures. Et c'est nous TP instantanément, quoi. Il n'y a aucune attente, bah tant mieux. Ah, c'est là-bas le scooter des mers. Je veux sortir de là. Non. Ok, je suis bloqué. Mais attendez, mais je vais rester bloqué ici, en fait. Non, non, faut que je sorte de là. Allez, je me suis mal mis. J'aurais pas dû essayer de gruger parce que, en fait, eh ben, j'ai failli me faire avoir. Bah, elle est où? Bah. Ah, elle est là-bas. Ok, d'accord. Bah, non, mais je peux sortir, c'est bon. Je peux y aller comme ça. Ce sera plus simple. Parce qu'en scooter des mers, je vais galérer comme pas possible. Déjà que je galérais comme pas possible. Allez. Bonjour, mademoiselle encore? Non, monsieur cette fois. Monsieur. Alors. Hé hey, pour l'activité de figure en scooter des mers, c'est par ici. Moi, j'apprends en regardant, alors montrez-moi un peu. On va te montrer. Donc comment faut faire? Pareil, hein, pareil. Mais c'est bizarre en fait, tu fais toujours la même figure. Je vais essayer de rester appuyé sur le bouton. Les figures sur l'eau, ça vous tente? Utilisez les tremplins et les anneaux pour battre les records. Ils servent à ça les anneaux. Parce qu'en fait, je gagnais des points pour rien là. Quand j'étais sur la map. 200 points. Alors... Allons voir ici. Ah, c'est du temps en fait qu'on a. Ouais, c'est un petit peu nul, d'accord, très bien. Bon, on va essayer de faire ça. Ah, ça donne pareil, 10 points. Enfin, on aura sûrement assez de points pour tout avoir, mais bon. Enfin, pour... Ah, l'objectif, peut-être pas quand même en fait. Parce qu'on en est à pas beaucoup de points. Et là. Allez! J'ai pas l'impression qu'on arrive à enchaîner vraiment les points en fait. Ah mais le dernier il a peut-être pas compté. Parce que je me suis ramassé en fait, ça doit être ça en fait. Ok, voilà, pour que ça compte, il faut vraiment réussir à tout aligner. Enfin, à se réceptionner correctement. Ok, très bien. Bon, et si je saute là? Ah, je peux faire des figures aussi comme ça, d'accord. Ah ah, bah alors c'est facile, parce qu'il suffit de faire ça en fait. Ok, là je me suis ramassé. C'est pas si facile que ça, attendez. Et... Ok, 10 points. Et là il y avait ça. Oh c'est bon, on les a les points. Ok, très bien, 227, je veux rentrer là-dedans. Oui, ah non c'était trop haut. Ah c'était trop, j'ai fait 327 points. J'ai fait comment mes derniers points? Je suis peut-être vraiment passé dans les anneaux alors. J'ai cru que j'étais passé en dessous. Non, on les a peut-être eus. Ok. Bien. Alors, je l'aime bien cette petite tenue, elle est cool. Eh, 327, c'est beaucoup mieux que sur l'autre sport. La crique qui forme le centre de la station s'appelle la baie du bonheur. C'est le paradis des amoureux de sport nautique. Comme moi. Non, pas vraiment. mais il nous reste plus qu'un sport là, sur cette station. C'est quoi alors le dernier truc? Voyons voir. Pour poursuivre la course aux vignettes, je vous recommande l'activité triathlon. Ah, inscrivez-vous sur la plage infinie. C'est où la plage infinie? C'est là-bas. Ok, allons-y. Et voilà, la dernière épreuve est juste ici. Je suis jamais venu par là. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un petit coffre de cachet là-haut. Hein. Attendez. Je veux descendre de ça. Et je veux quand même aller voir là, explorer un peu les hauteurs. Parce qu'à mon avis, il y a un coffre dans le coin. Ah bah, déjà il y a un coffre juste ici. Ok, j'ai pas fait exprès de le trouver lui. Et il est quand même plutôt facile à avoir. Allez, examinons. Oui bah bien sûr qu'on veut l'ouvrir. Vous avez le costume japonais, wow, stylé. Mais, moi je suis persuadé que dans les hauteurs, il y a un truc. Ah, on peut monter par là. Peut-être pas en fait. Ça nous permet peut-être juste de passer de l'autre côté. Ah et mince, on monte pas vraiment.
Par contre, j'ai vu un truc, c'est sûr qu'il y a un coffre ou quelque chose de l'autre côté. Par contre, c'est pas facile. Il faut vraiment bien s'y prendre, mais là, c'est obligé qu'il y ait un truc. Je peux regarder, là, il y a un tremplin. Et le tremplin nous permet d'aller de l'autre côté. Ça m'étonnerait vraiment qu'il n'y ait rien. On va voir, mais ça m'étonnerait. Oui! Ouf! Super! Ah bah non! D'accord, ça nous emmène juste de l'autre côté. D'accord, donc il y a peut-être effectivement rien. Non, je pensais qu'on allait arriver dans les hauteurs. Et que dans les hauteurs, il y aurait un truc. Mais non, mince. Dommage. Oh, mais what? Mais... Ok, d'accord. J'ai eu un cadeau quotidien. J'ai rien fait, pourtant. Mais, par contre... Attendez, attendez, il y avait plein d'animaux, là. J'avais pas vu. Regardez. J'avais pas remarqué, je croyais que c'était des troncs d'arbres. Mais je me disais, bah, tiens, il y a beaucoup de troncs d'arbres, là, ici. Non, j'ai pas... Je voulais zoomer. Elle est moche, cette photo. Fuck moine d'Hawaï. D'accord, on est à Hawaï. Oui, sauvegarder si tu veux, je m'en moque. Alors, je veux zoomer. Voilà, il est mignon. Album du jeu, voilà. On sauvegarde, c'est un petit peu mieux. Photo remplacée. Oh, il avait les yeux ouverts. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ok, bon, bah, je vais quand même continuer à explorer parce que je pense qu'il y a un truc dans les hauteurs là-bas. Il y a peut-être rien, j'ai l'impression qu'on peut pas monter. Mais continuons quand même d'explorer par là-bas. Parce que des coffres, il y en a quoi? 7, c'est ça qu'ils ont dit? Moi j'en ai 3. Il y a peut-être un peu plus, c'est quoi là-bas? Non, c'est pas un coffre, c'est quelqu'un qui veut me parler. Mais comme il dit jamais rien d'intéressant. pas de coffre, rien du tout. Par là-haut. Ça c'est pour refaire le tour, pour revenir là-bas. Non, c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Par contre, je vois qu'il y a une petite baie à droite. Eh mais par contre on va y aller à la nage. Je peux pas appeler un scooter des mers. Là-bas il y a l'air d'avoir une baie. Attendez. Je peux pas voir au loin. Quoi? Ah non, c'est derrière le rocher. Non mais il faut que je me téléporte et que je fasse venir un scooter des mers. Bah c'est obligé. Voilà, le petit passage, c'est obligé qu'il y ait quelque chose. Il y a une épreuve où il y a un coffre où... Oh, il y a un resto et un coffre. Qu'est-ce que c'est que le resto? Là c'est encore pour manger des trucs et ça sert à rien de manger. C'est ça? Ah, il y a une tortue par contre, j'ai déjà pris en photo les tortues. Je suis pas sûr. Et les mouettes? Les mouettes peut-être que si, par contre la tortue ça me dit rien. Salut! Ok, photo ajoutée. Donc ouais, tortue verte, on n'avait pas encore la mouette, voyons voir. Si, la mouette j'en avais sûrement. Mais ah non! Goéland! D'accord, c'est un goéland en plus. Non, j'avais pas. J'avais pas. J'en avais déjà vu, mais elles étaient peut-être trop loin. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mais alors, le mec, il doit pas vendre beaucoup de... Voilà, de jus de coco. Il doit pas en vendre beaucoup, hein, vu qu'il est tout seul dans son coin. Ah bah, non, bon, c'est pas grave. J'ai passé trop vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Et... Le costume Aloha Palmier. Waouh, super. Bon, on va faire l'épreuve. Et voilà le mec pour le triathlon. Salut. La terre, les mers et la foule m'acclament, je suis Iron G et je recommande tout particulièrement le triathlon. Cette épreuve combine quad, scooter des mers et marathon. Celui qui la remporte est sacré seigneur du triathlon. Alors, ça vous intéresse? Le chemin pour devenir un triathlète est long et ardu, mais votre volonté doit être plus forte que tout. Oui, ça me va. Prenez le départ en scooter des mers, oui, descendez. Ok, non, de toute façon, je sais ce que c'est que le triathlon. Il faut... Enfin, il y a 3 épreuves, quoi. Il y a 3 épreuves à faire. Ah, il y en a une à marche. C'est scooter des mers, à pied et en quad. Ok, bon. Ah bah, oui, scooter des mers, à pied et en quad. Ok, il y a 5 tours à faire. Comment ça, 5 tours? Non, 5 étapes. Il n'y a pas 5 tours. Bon, laissez-moi tranquille là. Ils savent pas tourner par contre. J'ai vu des critiques du jeu et ils disent que les épreuves, elles sont super faciles, mais qu'il y a plusieurs niveaux par épreuve et qu'il y a des niveaux d'épreuves qui sont quand même super difficiles. Et donc ils disent que justement c'est bien... Ah non, c'était pas 1 sur 5, c'était parce que j'étais 1 sur 5. Et donc ils disent que justement le jeu il devient super technique et qu'en fait il faut pas s'arrêter au premier niveau des épreuves à chaque fois parce que c'est trop facile. Est-ce que je vais être éjecté de mon scooter des mers tout de suite ou est-ce que je dois en sortir moi-même? Attendez quoi? Attendez mais non. Attendez, on n'est pas encore arrivé. Ah d'accord, ok, mince. Ah mince.
Oh non! Bah non, bah c'est mort, on peut recommencer? Ok. J'avais pas compris, comme en fait on était toujours dans l'eau, et bah je croyais que. qu'il fallait continuer, mais non, c'était bien là qu'il fallait se mettre à pied. Mais d'ailleurs, ça m'avait pas disqualifié ou je ne sais quoi. Non. Pas de soucis, tu peux continuer en scooter des mers, ça pose de problème à personne. Bon, il va arrêter de me coller là, mais je suis dernier, mais arrêtez! C'est pas possible, on sentait mieux la dernière fois. Enfin, j'ai ralenti comme pas possible à cause du mec. Bon, peut-être que je les rattraperai à pied, je sais pas. Mais ils sont super rapides. Hein. Ok, j'ai bien pris mon virage. Allez, rattrape-les. Ok, on va y arriver comme il faut. Allez, descends. Vas-y. Ok. Comment on court? Il n'y a pas de bouton pour courir, si? Non, il n'y a pas de bouton pour courir, j'ai l'impression. Donc t'es obligé de faire ça en étant extrêmement lent. Mais bon, comme les autres sont extrêmement lents aussi, ça pose pas de problème. Attendez, mais on va être peut-être plus rapide là, non? Ouais, j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment plus rapide ici. Ok. Eux, ils font pas le tour, ils prennent aussi les haies, pourquoi pas. Bon, heureusement que ça dure pas longtemps à pied, parce qu'on est quand même sacrément lent. Et les autres, ils sont pas loin derrière. Hein. Ok, je vais prendre celui-là. On monte avec X, c'est ça? Ouais, allez. Vas-y, on démarre. Ok, j'espère quand même que je vais y arriver premier, allez. Bon, j'ai de l'avance sur pas mal de gens, mais il y en a deux qui me tannent de vraiment pas loin. Allez. Bon, ça peut le faire. Si je fais pas d'erreur, ça le fait. Surtout que le tracé est quand même plutôt simple, là. Oh. Non, ça va, ça va. Ok. Attendez, est-ce qu'on va devoir faire le saut? Non. Peut-être que si. Bon, déjà, on peut faire celui-ci, mais ça sert à rien. Ils vont pas nous faire faire... Non, on n'a pas à monter à faire le grand saut. Quoique... Non. Ouf, j'ai eu peur. J'ai eu peur, parce que là, si tu te ramassais, malheureusement, il fallait tout recommencer. Dans l'herbe, on va aussi vite. Ouais, pas de soucis. Et voilà! Triathlon terminé! On est en premier. Je devrais peut-être rattraper hein, la dernière fois avec les jet ski. Enfin, quand j'étais allé trop loin. Mais bon, je préférais jouer safe. Et voilà, on a terminé tout le resort de la plage. Même si dans les faits, non. Parce que bah, il reste les coffres au trésor à trouver. Puis il reste en plus toutes les épreuves. Genre la pêche, enfin tous les trucs qui sont pas affichés dans les vignettes. Mais ce n'est que le début du chemin pour devenir un triathlète. Merci. Et voilà. Plus que 10 pour en avoir 20. Je sais compter. Hein, 10 plus 10 égale 20. Félicitations Kirbendo, vous avez obtenu 10 vignettes. Pour la peine, je vais vous dire quelque chose de très particulier. Avez-vous essayé de participer à nouveau à une activité après avoir obtenu une vignette? Avec une vignette, de nouveaux jeux s'offrent à vous. De plus, vous pouvez y jouer quand vous le souhaitez, directement depuis le menu activité. Essayez de refaire certaines activités et vous voyez ce que ça vous rapporte. Pour poursuivre la course aux vignettes de Kawaii, je vous recommande l'activité... Oh, regardez-moi ça! Vous avez déjà obtenu toutes les vignettes de cette station! Il est temps d'aller en explorer une autre! Oui, d'accord, mais là, je suis pas en train d'en explorer une autre, je suis en train de revenir à la même. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va prendre... Enfin, on va partir sur la carte. Non, c'est pas la carte. C'est... Comment je fais, moi? Changer de station. Donc, nous, on a accès à la station urbaine, la station de ski. J'ai bien envie de partir à la station de ski. Et on a toujours pas la villa. C'est quoi, ce truc? J'aimerais bien le débloquer. Mais ça met trop de temps. Oh, j'ai hâte de faire du ski et tout ça. J'ai hâte de voir comment ça se passe. Ça, c'est trop cool. C'est vraiment mon sport préféré, le ski. Par contre, j'ai jamais fait rien d'autre. Hein. J'ai jamais fait de bobsleigh, j'ai jamais fait de surf. Enfin, de... Comment ça s'appelle de... Si, surf. Comment ça s'appelle? Surf des neiges? Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai jamais rien fait d'autre, en fait. J'ai pas non plus fait de ski de fond. Je sais faire que du ski alpin. Et encore, ça fait tellement longtemps, je sais pas si je sais toujours en faire. Bienvenue à la station de ski, Kirbendo. Ici, à la station de ski, nous vous proposons de skier, de faire du snowboard, du scooter des neiges et même de la bouée sur neige. Ah, c'est trop drôle ça, si j'en ai déjà fait, c'est trop bien. Il y a tellement de façons de dévaler les pistes. Si vous voulez vous rendre au sommet de la montagne, prenez le télésiège ou l'hélicoptère. Vous trouverez les deux au pied de la montagne. L'hélico, carrément, ok. C'est parti pour la course des vignettes de Kawaii. La première activité que je vous recommande pour vous familiariser avec la station de ski est...
Boule de neige! Rendez-vous à côté du remontant de 7 au pied de la montagne. Avisez-vous bien. Je m'attendais à voir le ski pour commencer. Et non, c'est l'activité bataille de boule de neige. Ah! Mais on est à ski! Mais comment je fais pour avancer? What? What? D'accord. Attendez, vous rigolez, je vais devoir faire ça tout le temps? Ouais, ça va, ok. Oh! Ah, moi, je sais pas faire ça. Hein. Faire des figures, je sais pas faire. Hein. Attendez, saute. Oui! Ah, loupé, loupé. Bon, on va faire la bataille... Oh! De boules de neige, mais par contre, on peut pas descendre du ski? Ah si, on peut! Ok, ouf! Ah non, mais parce que... C'est pas très pratique, le ski, quand même. Salut, monsieur! Alors... Wow, quelle bataille! Je suis plein de neige! J'étais tellement occupé à courir pour lancer des boules de neige que je n'ai pas réalisé que je n'en avais presque plus! C'est ma faute! Bougez un peu ou vous allez geler! Si vous vous faites trop cartonner, vous finirez en bonhomme de neige! Oui, bon, il tousse encore, hein. Alors, lancer une boule de neige et faire des boules de neige en appuyant plusieurs fois sur B. Ok, souhaitez-moi bonne chance, les amis! Dans tous les cas, n'hésitez pas à dire vous dans les commentaires de la vidéo si vous préférez le resort de neige ou la partie de plage. Moi, je préfère quand même la neige, hein. La plage, j'aime pas trop. La neige, ça a l'air vraiment cool. La montagne, je me demande aussi ce qu'ils vont nous trouver. Et l'environnement urbain aussi, je me demande ce qu'on va voir. Et n'oubliez pas aussi de laisser des pouces bleus pour cette série. Allez, on n'a rien pour se protéger. On peut pas se planquer. Ouh. Ok. Attendez, what? Attendez, il était dans mon équipe le mec, non? Non, y a pas de mecs qui sont dans notre équipe. Mais attendez, mais je comprends pas. En fait, on a un stock illimité de boules de neige jusqu'à ce que... Ok. Non, en fait, non, on n'a pas un stock illimité, mais on n'a pas qu'une seule boule de neige, en fait. Oh, oh. Vas-y, faut en refaire. Ah, c'est chaud, quand même, hein. C'est plus chaud que le truc de... Comment on dit? Oh, bah... Oh, ils se ressemblent au bonhomme de neige, ok. C'est plus chaud que le truc de... Ah, comment ça s'appelle? Ah, bah, il est mort aussi. Allez, allez, il reste plus que lui. C'est bon, il est mort! Super! C'est plus chaud que la bataille de pistolet à eau, voilà. Parce que là, tu peux pas te protéger, en fait. C'était marrant, quand même. Ce serait bien qu'il y ait d'autres... comment on dit, d'autres terrains. On va voir, je vais relancer l'épreuve, voir s'il y a d'autres terrains. Réussir des défis permet d'accumuler des points de jeu. Essayer d'en relever un maximum. Et ça sert à quoi, les points de jeu? C'est ça, ma question. Parce que, des défis... je peux en faire, mais les points de jeu, on en fait quoi? J'ai l'impression que dans le jeu, on ne peut rien acheter, ils servent à rien. ça serait un petit peu dommage que ça serve à rien, les points. Ok, épreuve terminée. Oui, c'était super amusant. Ouh, il y a beaucoup d'épreuves. Mais oui, bonhomme de neige, je me demande ce que c'est. Hein. On verra bien, mais je me demande ce que c'est. Traîneau. Oh, j'ai hâte de faire ça, du traîneau. En bouée? Comment je vais faire pour la... Pour... Attendez. Bon, ok, on va voir bouée, mais comment je vais faire pour la diriger? Mais scooter des neiges, c'est quand même le mieux. Hein. Eh, mais je peux rien faire, là. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est ouf, hein. C'est génial. Ok. Trop nul. Donc, voyons voir. Et c'était lui, les boules de neige. Voyons voir. Qu'est-ce que tu nous proposes? Oui. Ah, carte au trésor. Oula! C'est difficile, là, de voir par rapport à la station. Je sais pas si on peut monter tout là-haut, sur le pic. Commencer l'activité. Attendez. Terminer tous les niveaux. Ok, il y a plusieurs niveaux. Donc, voyons voir. Défense, drapeau, bataille de boules. Non, bataille de boules, c'est bien. Standard, large, ouvert. Ouvert. Bataille royale. Bon, par contre, c'est compliqué, là, le menu. Il demande trop de trucs. Mode nuageux, what? X et ZR, ça fait un truc? Mais attendez, mais ça n'a rien changé, là. Ça n'a rien changé du tout. Aïe. Ok. Non! Je me venge. Non! Arrêtez! Il y en a un qui a pris aucun dégât, on dirait, depuis le début. Vas-y. Non, non, non. Super. Et... Oui, il y en a un que j'ai eu. Enfin, il va m'avoir, lui. Oh là là, c'était obligé. Non, 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 arrête. Wow. C'est bon, là, du calme, hein. Et...
Ah, quand il est baissé. Ok, quand il est baissé. Mince. On l'a pas de la même façon. Oh, what? Ah, d'accord. Ok. Ça nous gêne. Bon, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu re... Mais pourquoi il regarde pas des boules de neige? Le mec, il faisait rien. Il courait dans tous les sens n'importe comment. Bon, bah, on a terminé ce niveau, mais attendez. Menu de l'activité. On va voir autre chose. Bataille de boules. Large. Qu'est-ce que c'est que ça? Bataille royale, c'est bien. Bataille de roi... Bataille royale. Genre, c'est Fortnite en mode boule de neige. Qu'est-ce que... Ah, bien. Ok. Mm-hmm. Non. Entretuez-vous, moi je veux pas en faire partie. Oh. Non, j'en ai un qui s'était déjà fait avoir. Mais dans les faits, en fait, c'est pas celui qui a touché le plus de gens qui gagne. Hein. C'est juste le dernier à être en vie. Bah oui, parce que c'est une bataille royale, voilà, tout simplement. Exactement comme Fortnite. Même si c'est pas avec les mêmes genres d'armes. Ok, non, non. Oh, ça ne se fait pas, voilà. Allez, il n'y a plus que lui. Oui, il n'y avait plus de vie. Super. Bon, on va faire le dernier niveau, le standard. Et là, normalement, je vais devoir débloquer un défi. Si ça marche bien comme je le pense. Menu de l'activité. Commencer l'activité. Bataille de boules. Après, j'aurais pas fait l'autre truc, là. Le truc des drapeaux. On va aller voir le truc des drapeaux. Station de ski, intro 13, si vous préférez... Ah, oh, j'ai pas eu le temps de lire. Comment en fait ça charge trop vite? Eh ben tu peux pas savoir ce qu'ils veulent te dire. Ok. Alors, non. Au revoir. Super. Non, non, non. Ok. Ouh, il m'a loupé de peu. Non, non, non. Bah, je l'avais pas eu? Non? Mais qu'est-ce qu'il fait, le mec? Il a envoyé toutes ses boules de neige par terre. Oh là 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 là! Allez! Oui! Ils ont plus de vie! Moi j'en ai plus beaucoup non plus, mais ça va. Ok, il y en a un qui est mort. Très bien, il y en a plus qu'un. C'est toujours le même! C'est toujours le même qui reste en vie, c'est le vert à chaque fois! Ok, super! Bon bah là normalement j'ai terminé le défi, à moins que ça compte aussi les trucs de drapeau. Menu d'activité, voyons voir. Ah non, terminer tous les niveaux, effectivement. Donc, ils veulent qu'on fasse aussi les drapeaux. Voyons voir ce que c'est, les drapeaux. Ah, d'accord. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Là, il y a des niveaux. Ok. Ça s'appelle vraiment niveau... si vous maintenez X et plus L, j'ai pas le temps de lire. Faudra que j'aille lire les défis. Défendez vos drapeaux contre les adversaires. Ah. Mais ce sont des méchants bonhommes de neige. Ok. Et je dois défendre pendant combien de temps? À l'infini? Oh, la musique, elle est trop bizarre. Allez. Ok, bon, s'ils apparaissent toujours au même endroit, ça va poser zéro souci. Mais il y a aucun challenge. Ah, il bouge. Ok, mais il devrait apparaître d'ailleurs. Ok. Tu peux même les avoir avant qu'ils soient sur la zone, quoi. Non, mais c'est une blague. C'est trop facile. Et y a pas de temps, y a pas de décompte avant la fin. Enfin, je peux faire ça à l'infini vu comme c'est facile. Ah, voilà. Cette fois, il y en a deux qui arrivent. Ça devient un petit peu plus compliqué. Allez. Et en plus, j'ai pas de munitions à l'infini, donc ça pose souci. Ils ne font pas de dégâts, par contre, j'ai l'impression. Enfin, ils te stun. Oh. Ok. J'ai fait zéro dégâts. Non. Ah, on peut pas lui faire de dégâts tant qu'il est pas encore sur le terrain, c'est ça? What? What? Ok, je comprends pas trop quand est-ce que je peux lui faire des dégâts et quand est-ce que je ne peux pas. Ah, c'est bon, je l'ai eu! Le pauvre! C'était le Yeti! Ok, attaqué par le Yeti, carrément! Menu de l'activité... Bon, bah on va pouvoir faire les autres niveaux. Voyons voir... défense drapeau, niveau 2! C'est parti. J'espère que ça va. Il va y avoir un petit peu plus de challenge plus rapidement. Parce que bon, hein, les bonhommes de neige qui mettent 3 plombs à arriver. Mais oui, il est là le Yeti. Je l'avais pas remarqué la dernière fois. Moi, je croyais que c'était juste une déco, quoi. En fait, il bouge même dès là. Hein. J'aurais dû remarquer.
Enfin, déjà que je pouvais pas imaginer qu'on allait être attaqué par des bonhommes de neige. C'est trop bizarre. Allez. Ça a l'air de durer à peu près une minute en fait. Enfin, un petit peu plus d'une minute, peut-être deux minutes. Enfin, non, on avait mis une minute 40, non? Donc, c'est au bout d'une minute 30 en fait, j'ai l'impression qu'apparaissent. Enfin, que vient le boss. Allez. Ok, très bien. Ah, le voilà! Ok. Ouais, il arrive au bout d'une minute en fait. On peut pas lui faire de dégâts quand il est pas encore là. What? Mais c'est bizarre! En fait, faut peut-être juste le canarder, hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est tous les trois coups en fait qui perdent des vies. Ok, c'est ça, c'est tous les trois coups qui perdent des vies. Ah bah voilà, ok, c'est bon, on l'a eu. C'était encore plus facile, j'ai l'impression, qu'à l'autre épreuve. Oh, il fait de la peine quand il est pas content après. Mais il veut voler mes drapeaux. Enfin, je sais pas ce qu'il veut faire avec mes drapeaux, il veut les manger. Niveau 3. Ok, le dernier niveau de difficulté. Ouais, j'ai pas vu la différence entre le niveau 1 et le niveau 2. Hein. Les bonhommes de neige, ils étaient sensiblement... Ils apparaissaient sensiblement plus vite. Mais bon, ça n'avait rien de... Ah! Là, c'est bien différent. Effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir. Parce qu'ils commencent déjà par apparaître sur le côté. Mais s'ils apparaissent tous au même endroit, il n'y a pas de challenge. Ok, encore. Ah là, ça va changer. Non, ouais, je le sentais. Bon, il suffit juste de viser toujours dans le même endroit. Et il n'y a pas de souci. Allez, oui. Ça me rappelle les bonhommes de neige dans Banjo. Enfin, ils sont moins agaçants, eux, quand même. Oui, sérieusement. Mais pourquoi ils en font pas apparaître trois à la fois? Il y aurait du challenge, au moins. Ok, je l'ai tué avant même qu'il apparaisse, le mec. Enfin, avant même qu'il entre dans la zone. Ok. Oh. Ouais, là, c'est un petit peu plus compliqué, quand même. What? Ah, d'accord, ils nous font des dégâts. Ok, je sais pas si je vais y arriver. Oh non, il a eu un de mes drapeaux. Ouf. J'attends qu'il vienne sur la zone. Allez, allez, entre. Il a l'air d'être un petit peu plus rapide. Non. Vas-y. Non, non, non. Je l'ai loupé. J'ai mis complètement à côté. What? Il va prendre l'un de mes drapeaux, c'est obligé. Je l'aurais pas tué avant. Ouais. Voilà. Non, 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 les autres drapeaux. Oh bah ok, par contre, il va pas au drapeau le plus près. Ah bah c'est bon. Ok. C'était difficile. Réussir le dernier niveau de l'épreuve sans prendre aucun dégât, ça doit être possible. Mais c'est pas facile. Amélioration du niveau et je gagne une clé. Mais je sais pas pourquoi j'ai des clés. Mais j'en gagne. Bon, bah on retourne au menu. Oui, on quitte l'activité boule de neige. Dans tous les cas, les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo. Équipe de secours. On peut sauver des gens, ok. On va en rester là pour cette vidéo de Go Vacation. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine les amis. Salut.